Diablo One et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Battlefield Bad Company. On est au 6ème épisode, j'espère que ça vous plaît, moi j'adore ce jeu, ça me fait trop du bien de revenir un petit peu sur les bonnes bases, des bons jeux des années précédentes. Alors pour un petit rappel, on s'était crashé en hélicoptère et on a perdu notre escouade et le président, donc on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on pense qu'ils se sont fait kidnapper et que bah nous on a eu de la chance, on a dû voler un peu plus loin. Alors déjà on a de la chance parce qu'on a volé un peu plus loin, mais au final on a rien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'hélico ou pas? Non. Ok, et là non plus. Я дал ему жвачку. Сказал, что нас цианидом разлучит, если он попадет в плен. Видел бы ты его рожу. Вот уж не думал, что придет в плен. Лям, подходи. Думаешь, они близко? Близко. Ох уж эта разведка. Ok, bon, bah moi qui voulais être discret. En fait, je crois qu'on peut pas dans ce jeu. Je pense qu'on ne peut pas. On peut pas faire une mission discrètement, c'est pas possible, je pense. What the fuck? Bon, je pense qu'en fait on est obligé d'éclater tout le monde. Ah gros, j'ai pas de balles, putain. Fous ton coup de tête, hein. C'est facile. Allez. Никаких новостей. Oh.
One Charlie, ici Mike One Juliette. L'ennemi a quitté la zone. On signale une seule source de chaleur, mais c'est certainement vous. S'ils étaient là avant, ils ont dû les déplacer. J'ai quelques infos concernant la zone où vous êtes. Il y a du matériel radio plus loin dans la vallée. Allez-y et essayez de trouver des informations. Terminé. Vas-y, je prends le bateau, je me casse. Hasta luego! C'est incroyable parce que... Sniper! Fallait le trouver lui. Il était bien caché. On prend un véhicule et puis on se pète là-bas du coup. Je vais me prendre un véhicule armé. Thank you.
Ah mais je suis tout seul, j'ai un sniper, tu veux que je fasse quoi en vrai? Charlie, ici Mike, One, Juliette. On signale une forte activité au monastère. Il se passe quelque chose, dépêchez-vous. Terminé. Où ça, au monastère? C'est de l'autre côté. Pas de véhicule. Si, y a un véhicule de là-bas. Je sais pas ce que c'est. Je fuis. Je vois ce que c'est. Oh, ça passe. Ah, je pouvais pas rester tout seul, c'est chaud défoncer tout le monde. Je préfère fuir. La fuite, c'est une bonne solution. Oh merde. Quoi?
Putain, mais des fois je les vois pas. Je sais pas si c'est moi qui suis aveugle. Mais des fois j'ai l'impression qu'ils sont invisibles, les mecs. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh non! Oh non, quel idiot! Oh putain, je reviens ici. Non! Je n'aurai pas vivant! Ni mort! Oh la vache. Ni mort ni vivant, bande d'enfoirés. Oh. Mais c'était tellement dur, mais c'était tellement dur. Mais tout seul, c'était tellement dur. Mais... Après, je veux bien, hein. Truc, waouh. Non mais regarde, C'est l'autre qui est dans le truc anti-char là. Déjà, qu'est-ce qu'il fout dans un truc anti-char l'autre là? Tiens, va te coucher. Hein. Non. Gardez ça parce que je me dis peut-être qu'il y a moyen. Sniper.
Mais gros, mais j'ai le temps de rien faire. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, j'ai le temps de rien faire. Dommage. Allez, recharge vite, vite, vite. D'accord, on peut pas monter par là. Non, du coup, on peut pas monter par là, c'est super génial. Attention! Oh, mais c'est une blague! C'est une foutue blague, hein! Et ils ont toute la route qu'il faut faire. Moi je me pète, je me casse direct.
Ah, ça aurait été un char, je l'aurais pris direct, mais... Je sais même pas si je vais réussir à traverser le village. Ah bah non, parce que ça c'est un char. Voilà. Et lui, le char, il arrive direct. Je sais pas si vous avez vu comment il est arrivé direct le truc. Le char est vraiment arrivé d'un coup comme ça quoi. Dans leur dos, je vais essayer. Allez, démarre. J'ai pas envie de les affronter là. J'ai pas d'armes, j'ai juste un sniper, j'ai pas d'explosifs, rien. J'ai pas envie de me casser la tête à les affronter. Oh putain, il y en a déjà bien assez comme ça sur la route. Думаешь, они близко? Наводящихся ракет и компьютеров. А мы тут жрем их в трене. Donc il y a une entrée dans le mur à l'est, ce qu'il m'a dit. Je sais même pas si je l'ai touché ou pas le mec. J'ai pas l'impression. Hey,
pas le droit de la louper celle-là. Joli. Là, quand on a plus rien pour se cacher, ça fait mal, hein. Pignouf. Instant grenade. Allez hop. Couché, man. Putain, ils sont... Ils sont coriaces. Preston, content de te voir, mon pote. On croyait que t'avais passé l'arme à gauche, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je vous cherchais. Alors, t'es venu nous sauver, c'est génial. Enfin, t'as fait que ton devoir, mais merci quand même. Ouais, pas de quoi. Content de te revoir, Marlow. Mais il faut qu'on se casse avant que l'ennemi rapplique. Ouais, faut qu'on retrouve ce haussaire d'art là, lui au moins il sait où est l'or. Vous l'avez vu? Vous savez où il est? Pas vraiment, non. Mais Agard croit que si on tourne autour du monastère en ayant des pensées positives, on peut peut-être tomber sur lui. C'est bien ton plan, hein? Pas vrai, Agard? Bah, j'aurais pas dit ça comme ça, mais ouais, en gros, c'est ça. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliet. Vous êtes toujours là, Marlow? Vous avez trouvé les autres? À vous. Oui, on a retrouvé le bleu. À vous. On est tous là, sinon ça va, vous? Dites donc, on s'est pas déjà rencontrés sur voixsexy.com, des fois? Agard, si c'est comme ça que vous draguez, j'ai de la peine pour votre cousine. Ouh, comment elle t'a cassé? Mais pour vous répondre, je vais bien, merci. Et très contente que vous soyez à nouveau tous ensemble. À vous. On essaie de localiser Serdar. Vous sauriez pas où ils l'ont enfermé par hasard? À vous. Aucune idée. Mais ça bouge pas mal à l'embouchure de la rivière. Vous devriez y faire un saut. À vous. Ok, Mike, One Juliet. On reste en contact. À vous. Je ferai de mon mieux. Terminé. Ok. Bravo, One Charlie, ici Mike, One Juliet. Je peux pas vraiment parler là, mais plusieurs ennemis approchent de votre position. Oh merde, terminé. Faut vite se casser d'ici et trouver un véhicule. Il faut qu'on aille dans quel sens? Il faut qu'on redescende de là où on est. Wow. En fait, on doit monter jusque là. Écoutez, il y a encore des ennemis. Ennemi derrière toi! Décolle! Je lance roquette! C'était pas loin, mais c'est raté! Mais pourquoi j'étais bloqué? J'étais bloqué par les tubes de merde là! Mais qu'est-ce que. Quel est le con qui a décidé de faire des tubes comme ça? La maniabilité des véhicules, c'est horrible! Bon, on va essayer de choper un camion parce que apparemment on n'a pas assez de place là-dedans. Un camion. Vous croyez qu'on avait tué tout le monde? Mais allez, c'est reparti. Bon, du coup, je suis encore mort. Je ne sais pas. Ça fait combien de fois, mais du coup, je suis mort beaucoup de fois là. Maintenant, il y a un hélicoptère. Un hélicoptère au-dessus de nous. En fait, j'essaye de couper à travers les champs, mais enfin, couper de la montagne parce qu'il y a trop de buggy, trop de, en fait, il y a trop d'armées là.
Du coup, j'essaie de couper un peu à droite à gauche. Là où je peux. Mais en fait, c'est très compliqué. On a un véhicule qui nous défonce. Je suis bloqué à cause de l'arbre. Je suis bloqué à cause d'un arbre. Là, je descends tout seul. Ok. Hop, voilà. Hop. D'hélicoptère qui est juste là. Allez, cap sur la côte. Tirez. Pas de soucis, ça se passe bien les voitures modernes. Il faut descendre. Oh putain, il faut passer dans tous les villages et toutes les villes qu'on a déjà faites. C'est génial ça. Les rouges, attention. Continue comme ça après ça. Un feu qui nous suit. Allez, allez. Allez. J'aurais pu prendre un véhicule plus rapide, j'aurais pris, mais. Si je passe par là, je suis bon ou pas? Non, c'est pas dans le sens là, c'est l'autre côté en fait, c'est là. Du coup, je vais passer par là. Oh la conduite! Mais la conduite, elle est horrible! Elle est horrible! Voilà. Un tank ennemi. Je devrais même pas m'arrêter, je devrais continuer de tracer à fond, mais c'est compliqué. En fait, que ce soit là ou sur Terre. Mark 5, tirons-nous. Oula. Moi aussi, mais on peut pas soigner dans l'eau. Pour pas mettre le quartier.
Hey, c'est l'hélico qui nous a emmenés à la frontière. Ouais, et je crois que je sais à qui il appartient. Regardez, c'est le président. Vos amis américains se sont évadés, mais ils n'iront pas loin. Ces cochons d'impérialistes ne sont pas mes amis. Vous avez voulu fuir vos dettes et ils vous ont aidé. Ce n'était pas une fuite, mais un infâme enlèvement. Peu importe. Je constate que je n'aurai jamais l'or que vous me devez. Je vais donc effacer vos dettes et prendre votre pays à la place. Mais faites, je vous en prie. Pour ma part, je vais partir en exil vivre, paisiblement. Je n'en doute pas. Tuez-le. Vous croyez que je vais vous supplier? Monsieur mon bras. S'il vous plaît. D'accord, je vous supplie. Non, ne me tuez pas. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? T'as pas une petite idée, monsieur je sais tout? À vous les pipelettes, fermez-la et suivez-moi. Geronimo! C'est un miracle. Je ne suis pas mort. Coucou, Altesse. Tu te souviens de nous? Guignol? Oui, oui, le cochon d'impérialiste, hein? Alors, ça va? Mets-la un peu en veilleuse, on prend ce bateau. Ok. Du coup, on va s'arrêter là. Le petit père du peuple serdaristanais nous a remis sur la voie. Il nous a dit que l'or était sur le pétrolier du légionnaire, à Sadiz, le joyau de la mer Caspienne. Enfin, joyau, c'est vite dit, disons qu'il y avait un peu de boulot. Un peu. Et le président, me direz-vous? Il a pu s'exiler comme il voulait. Eh oui. Cruel, mais juste. Hé, hey, les gars, le voilà. Je te l'avais dit qu'on reverrait ce bateau. Ouais, c'est le légionnaire. Au moins, on s'est pas planté dans l'eau. Bon, comment on va s'y prendre? Il va falloir contourner tout ça. Commençons par sécuriser la plage. Ça me plaît bien ici. Je pourrais y venir pour les vacances. Bon, c'est là-dessus qu'on s'arrête, les amis. Si les snipers que ça vous plaira. Ou les mines sur la plage. Ou l'odeur de la mort. Si je me souviens bien, ils devraient construire un grand complexe hôtelier ici. Mais la guerre a éclaté et... Vous vous en foutez de ce que je raconte? Écoutez-moi, si on veut les lingots, c'est maintenant ou jamais. On se trouve un véhicule et direction Sadiz, par la côte. Il faut se rapprocher le plus possible du bateau. Et puis... Et puis... Quoi? Et puis, on improvisera. Dites voir, y a que moi qui la sens pas trop, cette histoire? Ouais, tu psychotes trop, Sweet. Bon, c'est là-dessus qu'on s'arrête, parce qu'ils ont fini de discuter. Sinon, j'avais peur que vous m'entendiez pas, donc du coup, on sait jamais. Je vous laisse regarder, comme d'habitude, dans la description, les liens importants. Le lien Instant Gaming qui vous fait gagner jusqu'à 70% de réduction sur vos jeux. Le lien Discord qui vous permet de rejoindre ma communauté et le lien de ma chaîne Twitch qui vous permet de me voir en direct quand je stream. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à bientôt et on se retrouvera dans le prochain épisode. Bisous bisous, tchou tchou.